وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد serviteurs d'Allah. Craignez Allah comme il mérite d'être craint. Et accrochez-vous à l'islam de sa plus grande anse. Et sachez que nos corps ne peuvent pas supporter la chaleur du feu. Et rappelez-vous souvent la mort et le fait que nous allons périr. Et que le fait de retourner à Allah est très proche. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a couverts de ses bienfaits. Des bienfaits et des générosités qu'on ne peut dénombrer, des bienfaits qu'on ne peut payer ni être assez reconnaissant pour donner la pareille. Il n'y a pas un clignement d'œil que l'être humain fait sans qu'il est en train de se baigner dans des bienfaits d'Allah jour et nuit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, il n'y a pas un être rampant sur terre sans que c'est à Allah qu'il en incombe sa subsistance. Tout est dans un livre bien clair. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures et il les a tous dénombrées. Il leur a partagé chacun leur part et leur subsistance et il n'a oublié personne. Il n'y a pas une main que tu lèves à ta bouche pour manger sans que ce soit écrit auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Gloire et pureté à lui qui nourrit les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer, dans l'obscurité de la mer, et celui qui nourrit même le serpent dans son trou et qui n'a oublié aucune créature, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui met la bénédiction dans son risque, dans sa subsistance. La baraka. On entend toujours parler de la baraka. Et Allah lui écrit le bien dans tout ce qu'il lui a mis à sa disposition. Il lui bénit, il lui met la baraka dans son argent. Il lui met la baraka dans sa famille. Il lui met la baraka dans ses affaires, dans sa santé, dans toutes choses. La baraka, c'est ce avec quoi Allah rend le peu beaucoup. Et le petit, grand. Et si Allah tabaraka wa ta'ala veut mettre la baraka, la bénédiction dans les biens d'un être humain ou d'un serviteur, il lui facilite les causes pour accéder à cette baraka, à cette bénédiction. Et Allah fait des causes effectivement pour avoir la baraka dans sa subsistance, dans sa vie. Et la plus importante de ces causes, c'est la crainte révérentielle d'Allah, se prémunir d'Allah. Se prémunir de la colère d'Allah. Comment cela? En délaissant ses interdits et en faisant ses obligations. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, si seulement les gens des cités craignaient Allah, ils avaient la foi et ils craignaient Allah, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets, celui qui se prémunit de la colère d'Allah, celui qui craint Allah, Allah lui fait une issue de sortie et lui donne sa subsistance d'où il ne s'attend pas. D'où il ne s'attend pas. Tout le bien est dans le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de s'attacher à ses ordres et de délaisser ses interdits. Cette terre est soumise à l'être humain, elle ne se servira pas pour un serviteur qui craint Allah. Et de même que la subsistance ne se servira pas pour un serviteur qui s'est soumis et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Alors la vérité de la taqwa, comme on a dit, c'est de faire ce qu'Allah nous a rendu obligatoire et de délaisser les interdits. Alors comment quelqu'un peut prétendre à la baraka alors que du matin au soir, il est plongé dans les interdits?
son travail est dans le haram, ses habits haram, sa maison haram, dans sa famille le haram, dans son manger le haram, comment il veut prétendre qu'Allah lui mette la baraka, la bénédiction dans son corps, dans sa famille et dans ses biens? Ce n'est pas possible. On a dit que la plus grande cause de la baraka, c'est la piété. Et parmi les interdits, les grands interdits, les grands péchés auxquels les gens sont exposés à cette époque et qu'ils ne font pas attention, qu'ils y donnent peu d'importance, le fait de contracter un crédit à usure, à intérêt, l'intérêt, le fait de travailler avec l'intérêt, que ce soit en le prenant ou en le donnant. Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes Allah anéantit l'intérêt usuaire et il fait fructifier les aumônes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'intérêt. Si vous ne le faites pas, alors ayez une annonce qu'Allah vous déclare légal la guerre ainsi que son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith véridique, l'intérêt usuaire est de 73 portes, 73 degrés. Son plus bas degré, sa plus basse, sa plus faible chose, c'est comme si quelqu'un forniquait avec sa propre mère. Parmi les causes d'obtenir la bénédiction, la baraka dans nos biens et dans notre santé, dans notre famille, c'est le fait de faire l'istighfar, de demander le pardon à Allah. Le prophète Nuh alayhi salam, dans le Coran, dit dans le sens des versets à son peuple, j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car c'est lui le grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il vous rajoutera des biens et des enfants et il vous donnera des jardins et il vous donnera des fleuves. Tout ça avec quoi? L'istighfar, demander pardon à Allah. Parmi les causes de récolter la bénédiction et la baraka, il y a la dua, l'invocation, le fait d'invoquer Allah. Quand Allah veut du bien pour son serviteur, quand ce serviteur a des difficultés, que ce soit dans sa vie, ou dans sa famille, ou dans ses biens, ou dans son travail, alors il lève les mains et il s'en remet à Allah. Ça, c'est qu'Allah l'a aimé, de lui permettre de lever les mains et de demander à son Seigneur, au lieu de demander aux créatures qui ne peuvent lui venir en aide en rien, qui peuvent lui venir en aide en rien. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation à Mu'ad. Il lui a dit, « Mu'ad, je vais t'enseigner une invocation, une dua. Si tu avais la montagne de Uhud comme dette, en faisant cette dua, Allah il va te combler tes dettes. » Et cette dua, c'est celle qu'on a citée en arabe. Je ne vais pas la reciter en entier en arabe. On l'a citée tout à l'heure. La dua, l'invocation, c'est une attache forte au Seigneur des mondes. Et Allah nous a ordonné de l'invoquer. Et il nous a dit qu'il était proche de nous. Que Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc Allah a dit dans le sens des versets, si mon serviteur te demande à propos de moi, alors dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de l'appeleur quand il m'appelle. Parmi les causes d'avoir la baraka, la bénédiction dans ses biens, il y a le fait de lier les liens de parenté. Combien aujourd'hui, il y a des gens qui ont rompu ces liens sacrés, les liens sacrés de la parenté? Celui qui rompt les liens sacrés de la parenté, Allah rompt avec lui. Celui qui lie ces liens-là, Allah lie, garde les liens avec lui. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, celui qui aimerait se voir sa subsistance élargie et sa vie allongée alors qu'il tienne les liens de parenté. Alors qu'il tienne
les liens de parenté. Entre la joie dans le cœur de tes parents, entre la joie dans le cœur de tes frères et sœurs, entre la joie dans le cœur de tes oncles, de tes tantes paternelles et maternelles, lis les liens de parenté et Allah lira avec toi. Bien sûr, entre la joie dans leur cœur, dans le halal, il n'est pas permis d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah. Mais tout ce que tu peux faire dans le halal pour leur faire plaisir, fais-le. Parmi les causes d'avoir la baraka dans ses biens, il y a le fait de dépenser fi sabilillah. Dépenser dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, il n'y a pas un jour qui se lève sans qu'il n'y ait deux anges et que chacun d'entre eux dit, l'un d'entre eux dit, Ya Allah, donne à celui qui dépense dans ton sentier un remplacement dans ses biens, une compensation. Et l'autre dit, Ya Allah, donne à l'avare, celui qui retient, talafa, une perte dans ses biens. Et vous savez tous que les du'as des anges sont acceptés. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une aumône ne diminue jamais d'une richesse. Parmi les causes, et on va finir avec cette cause-là, parmi les causes d'avoir la baraka, la bénédiction dans ses biens, dans sa personne, dans sa famille, dans sa santé, c'est le fait de travailler dans le halal. De travailler dans le halal. Et le fait de travailler dans le halal, c'est une façon de garder la tête haute, de préserver son honneur des paroles des gens, de préserver son honneur de devoir se rabaisser à tendre la main. La main haute est meilleure que la main basse. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Est meilleure que la main qui reçoit. Quand il a été demandé à certains savants, que dites-vous des musulmans qui prennent les aides d'État, etc. Ils leur ont dit, la main haute est mieux que celle qui reçoit. Normalement, c'est à vous de donner, c'est pas à vous de recevoir. C'est vous qui donnez normalement, c'est pas vous qui recevez. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a aplani la terre et a fait sortir les biens de cette terre pour qu'on puisse travailler dessus, aller dessus et chercher le rizq halal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, c'est lui qui a fait qui vous a aplani la terre, alors allez dans tous ses recoins et mangez min rizqihi de sa subsistance wa ilayhi an-nushur, et à lui sera votre retour. Le risque, la baraka, c'est pas de rester chez soi et de dire Allah va me donner. Ni la fainéantise, ni le laisser aller, ni d'être toujours cherché à en faire le minimum et à profiter des autres. Ça, ce n'est pas la morale et le comportement d'un musulman. Et il n'y a pas de honte à travailler dans n'importe quel travail halal. Nettoyer ou ramasser ou éboueur ou forgeron ou bien charpentier, menuisier, il n'y a pas de honte de faire un travail de ses mains. La honte, c'est de dépendre des autres. La honte, c'est de travailler dans le haram, de désobéir à Rahman, au miséricordieux. Mais travailler dans le halal, il n'y a aucune honte, au contraire, il y a un honneur en cela. Il faut savoir que les messagers, les prophètes, ont travaillé de leurs mains. Daoud, alayhi salatu wa salam, il travaillait forgeron. Il travaillait le fer. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit envoyé pour les gens, il travaillait dans le commerce. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le risque, ou bien le salaire plutôt, le meilleur, le plus bon salaire, c'est le salaire que la personne obtient du travail de ses mains ou bien d'une vente pure, ou bien d'un commerce, d'une vente pure. Tout cela à condition que ce soit dans le halal, dans ce qui est pur, dans ce qui est licite, et non pas dans le haram, dans l'illicite. Et quand on travaille, on fait son travail du mieux qu'on peut. On ne triche pas.
On ne vient pas en retard. On ne prend pas des choses dans l'entreprise. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah aime quand une personne fait une chose, qu'il la fasse avec perfection. Qu'il la fasse avec perfection. Le musulman, il cherche toujours à faire les choses avec perfection. Et s'il fait du commerce, qu'il ne monte pas, qu'il ne triche pas, qu'il ne cache pas les défauts du bien qu'il est en train de vendre, de sa marchandise, et qu'il ne jure pas, même si c'est pour dire la vérité. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les commerçants ce sont les pervers. Alors les compagnons ont dit au messager d'Allah, Allah a pourtant autorisé le commerce. Il a dit oui, Allah a autorisé le commerce. Mais les commerçants, quand ils font du commerce, ils jurent. Et en jurant, ils prennent des péchés. Et ils parlent, et quand ils parlent, ils mentent. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement dernier. Il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. La première, c'est celui qui, il ne donne pas une chose sans s'en vanter. À chaque fois qu'il donne quelque chose, il s'en vante. Rappelle-toi, je t'ai donné ça, rappelle-toi, je t'ai fait ça. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui laisse traîner son izar en dessous des chevilles. Et le troisième, c'est celui qui vend sa marchandise en mentant. Et même s'il dit la vérité, il n'a pas le droit de jurer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam Abu Daoud, le fait de jurer, ça fait partir la marchandise, mais ça enlève la baraka. Ça enlève la baraka. Donc mes frères et mes sœurs, soyez actifs, soyez positifs, soyez des éléments bons dans la société où vous êtes, que ce soit dans la société musulmane ou ici. Des gens qui construisent, non pas des gens qui détruisent. Et sachez qu'il n'y a aucune honte, comme on a dit, de travailler dans le halal. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide et qui reviennent le soir le ventre plein. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'ils partaient, qu'ils font les causes. Ils sortent, ils ne restent pas dans leur nid en train d'attendre. Ils sortent pour chercher le risque. De même, le musulman qui sort, qui s'en remet à Allah pour travailler dans le halal, Inch'Allah, il ne reviendra jamais perdant. Allah va lui donner son risque dans le halal. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله وقل رب زدني علما